Tu es le
Plus de toi, plus
De désir de te servir, éternel Père, plus de ta puissance, Papa, pour faire ce que tu attends de moi, Seigneur Jésus. Est-ce que quelqu'un peut chanter cette chanson comme étant une requête de prière à notre Dieu aujourd'hui? Nous ne sommes pas venus pour un programme particulier, mais nous sommes venus pour Jésus. Nous sommes venus pour lui et nous seuls. Tu peux rentrer dans sa présence aujourd'hui parce que tu as besoin de plus de son amour. Tu as besoin de plus de sa présence. Dans sa présence, tout ne vaut plus la peine. Dans sa sainte présence, les jours ne valent plus la peine. Un jour, un seul instant dans sa présence vaut mieux que 1000 jours ailleurs. Un seul toucher de la main de Jésus, je serai changé et transformé. Plus d'amour, Seigneur Jésus. Plus de puissance, alléluia. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Malachie, au chapitre 1, la parole de Dieu dit ceci. Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations. Et tout lieu, et en tout lieu, on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom. Et l'on présente des offrandes pures. Alléluia. Car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Aujourd'hui, nous allons offrir les louanges à notre Dieu. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons louer le Seigneur. Nous allons le louer pour ce qu'il a fait de bon dans nos vies. Alléluia. Quand nous venons dans la maison de Dieu, nous venons tout le temps venir recevoir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut donner à Dieu? Amen. Alléluia. Et laissez-moi vous dire ce que l'Éternel va faire aujourd'hui. La parole de Dieu dit, il est le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Est-ce que vous savez ce que Juda représente? Juda représente la louange. Alléluia. La femme de Jacob a dit ceci. Je ne veux plus louer mon mari. Maintenant, je vais me tourner pour louer l'Éternel. Alléluia. Peu importe ta situation, laisse-moi te dire qu'il y a une personne qui mérite ta louange. Amen. Et son nom, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Grand est son nom. Amen. Est-ce que quelqu'un est venu avec une attente aujourd'hui? Amen. Mais laisse-moi te dire, la plus grande des attentes, c'est que tu puisses louer le nom de ton Dieu. Amen. La parole de Dieu dit ceci, celui-là qui me loue, me glorifie. Amen. Donc quand tu loues le nom de ton Dieu, tu es en train de lui donner la première place. La place que lui seul mérite. Alléluia. Genèse 49, nous sommes déjà dans la prédication, amen. Genèse 49, verset 1 dit ceci. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous. Et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. En d'autres termes, peuple de Dieu, rassemblez-vous et écoutez ce que le Dieu d'Israël va vous dire. Écoute Israël, votre père. Voici, il a donné des promesses au premier fils, à Ruben. Mais Ruben n'a pas réussi plus grand parce qu'il a usé la couche de son père. Il a pris la concubine de son père. Amen. Il n'a pas eu une bénédiction. Alléluia. Mais laissez-moi vous dire, il y a une personne qui a reçu toutes les bénédictions plus que tous ses frères. Au verset 8 du chapitre 49, il dit ceci. Juda. Que quelqu'un dit Juda. Tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis.
Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Alléluia. Au verset 9, il dit ceci. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Alléluia. Martin dit ceci. Judas est un fan de lion. Mon fils, tu es revenu de déchirer. Il s'est courbé et s'est couché comme un lion qui est en sa force et comme un vieux lion qui le réveillera. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut voir le lion de la tribu de Judas agir aujourd'hui? Mais il ne va pas agir par plusieurs mots. Il ne va pas agir par plusieurs paroles. Mais il va agir sous l'onction et sous l'effet de ta louange. Amen. Parce qu'il siège au milieu de la louange de son peuple. Est-ce qu'il y a un peuple qui appartient à l'Éternel des armées? Est-ce qu'il y a un peuple qui appartient à Jésus? Est-ce qu'il y a un peuple qui lui appartient? Est-ce qu'il y a un peuple qui est venu lui donner un sacrifice de louange? Nous allons appeler nos musiciens, alléluia, et nous allons continuer à chanter avec cette chanson qui dit ceci, une autre dimension. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut rentrer dans une autre dimension? Amen. Nous allons rentrer dans une dimension de louange aujourd'hui. Alléluia, Jésus. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Jésus, que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Jésus, que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension du toucher, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, que ta présence Jésus. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Jésus, que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher. La dimension. La dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension du toucher, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison.
Éternel des armées, nous voici dans ta présence. Éternel des armées, nous venons chercher ta face. Éternel des armées, nous voulons que ta présence remplisse ce lieu, papa. Nous voulons brûler, Père éternel, cette bougie devant ton trône de grâce, papa. Nous sommes venus pour t'offrir des louanges. Nous sommes venus pour te louer, pour t'exalter. Loin de nous toutes sortes de programmes, éternel, papa. Nous sommes venus pour toi, Seigneur. Remplis ce lieu. Remplis ce lieu, éternel, Père. Remplis ce lieu de ta présence. C'est nous qui appelons ta présence. Tu sièges au milieu de la louange de ton peuple. Nous voici présents devant ta face, éternel des armées. Ola la chambre de l'évochatalama. Est-ce qu'on peut commencer à appeler cette présence? Est-ce qu'on peut commencer à chercher cette présence? Est-ce qu'on peut commencer à appeler cette présence? Judas est au milieu de nous. Et c'est toi qui relâches Judas. C'est ta louange qui relâche Judas. Et que l'Éternel vienne siéger au milieu de toi. Oriba sende rida raba shatalama. Oramande rerebo shatalama. Yerebo shatalama. Uraba shandala la baka, yerebo koshandala baka. À quel niveau veux-tu rentrer dans la présence de Dieu? À quel niveau veux-tu rentrer dans sa présence? Tu peux rentrer dans cette présence à tout moment. Tu peux rentrer dans cette présence même un dimanche matin. Tu peux rentrer dans cette présence maintenant. Oh satarama derebo shat. Seigneur, nous venons déposer, Père éternel, ce fardeau entre tes mains. Nos maladies, nos inquiétudes sont à toi, Seigneur. Nous venons les déposer devant ton trône de grâce. Glorifie-toi, éternel des armées. Élève-toi au milieu de nos situations, Papa. Quelqu'un va me dire, mais je n'ai rien à offrir à l'Éternel. Tu peux lui offrir quelque chose. Tu peux lui offrir tes louanges. Tu peux lui offrir tes péchés. Tu peux lui donner toutes choses. Car il est juste et bon pour pardonner nos iniquités. Alléluia. Est-ce que quelqu'un va rentrer dans la présence du Seigneur? Yorobo shindarama katari mandaralaba. Yerebo shatalaba. Rimanderebo shatalaba. Mon nom est glorifié du soleil levant jusqu'à son couchant. Mon nom est élevé parmi les nations. Mon nom est grand parmi les nations. Est-ce que le nom de Jésus est grand aujourd'hui? Est-ce que son nom est grand?
Alléluia. Alors est-ce qu'on peut continuer à chercher sa face? Est-ce qu'on peut continuer à chercher sa présence? Sa présence vaut mieux que mille jours ailleurs. Alléluia, alléluia, alléluia. Pour briser le joug de la religion, sa présence est seule capable de briser ce joug. Pour briser tout esprit méchant et malveillant, c'est sa présence qui est capable de le faire. Pour faire silence au vindicatif, c'est sa présence qui est capable. Pour briser les nœuds, pour briser les liens, c'est sa présence qui est capable. Éternel, nous n'avons pas besoin d'un autre service, papa, où toi tu n'es pas au milieu de nous. Nous avons besoin de ta réelle présence, papa. Une présence qui change, une présence qui nettoie, une présence qui brise le joug, une présence qui nous conduit à tes pieds. Ora shatara shatarama. Nous avons soif de toi, Seigneur. Nous avons soif du Dieu vivant. Alléluia. Éternel Papa, nous avons besoin de toi, Seigneur. Toi seul est le plus important dans ce lieu. Éternel, loin de nous, Père éternel, les artifices, Papa. Loin de nous, Père éternel, Papa, un service de religion. C'est ta présence que nous voulons. Et ta la bossande, et ta la bossande, et ta la bossande. Et mandérica ta la bossande, arriva ta la bossande. Et mandérica ta la bossande, arriva ta la bossande, la la la. Loin de nous, toute religion éternelle, Père. C'est ta présence que nous combattons, Seigneur. Ta sainte présence éternelle, mon âme. On la va chanter là-bas. Mon âme te loue et n'oublie aucun des derniers faits. Merci pour tes bontés, Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce et ta miséricorde. Merci pour ton salut éternel, Papa. Oh la vache, pardonne nos péchés, éternel Père. Purifie-nous et lave-nous, Seigneur Jésus. Pardonne nos offenses, éternel des âmes. Père éternel, nous avons manqué de chercher ta présence, Papa. Nous avons manqué, Père éternel, d'élever et d'honorer ton nom. C'est toi que nous recherchons, éternel Père. C'est toi que nous recherchons, éternel désormais. Cet esprit de religion, Papa, nous venons le faire tomber à tes pieds, Papa. Dirige-nous en ce service maintenant. Papa, nous sommes préparés, Papa. Mais une préparation, Papa, faite de main d'homme, Père éternel, ne peut pas éviter ta présence. Nous avons besoin de ta présence au milieu de nous. Que ton esprit couvre en ce lieu. Nous venons, Papa, par l'autorité et la puissance de ton nom. Nous venons appeler ton sang au milieu de nous. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus qui lave. Le sang de Jésus qui nettoie. Le sang de Jésus qui bénit. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Ton sang est invoqué sur cette congrégation éternelle. Ton sang.
Ton sang est invoqué maintenant, éternel papa, sur toute pensée, Père éternel, de division. Ton sang est invoqué, papa, sur tout esprit de distraction. Ton sang est invoqué, éternel des armées. Que ton sang, Père éternel, qui lave et qui restaure, remplisse l'atmosphère. Alléluia. Car tu es saint, car tu es saint, car tu es saint. Saint, 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 l'éternel des armées. Saint, 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 l'éternel des armées. Ta gloire remplit le temple, éternel Père. Les mots à la main des ricards à cacher les mots chaque à la main d'un. Il y a la santa, 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 il y a la santa